Je viens d'arriver dans mon hôtel préféré, les Vermines. Gazon maudit est en train de faire couler la baignoire. Bonjour! Gazon maudit! Et puis Mia Fry, tout va bien? Ouais, nickel. Alors aujourd'hui, nous avons deux bains à tourner. Et d'après vous, les Vermines, éclairage infect, d'après vous, les Vermines, de qui s'agit-il? Ah, elles sont cachées derrière les rideaux, je regarde. Elles sont actuellement toutes les deux, puisque ce sont deux filles, hein, cachées derrière les rideaux. La première est priée de se montrer. Oh non, mais t'es encore en vie, toi? Oh non, mais la Julie, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oh non, mais je hurle! C'est du canard. Bon, bah, tu as pas mal de choses à dire. Oh oui. N'est-ce pas? Je suis prête. Des petits comptes à régler? Des petits. Des confessions à faire? Et allez, ça gratte le thé de la chambre. Oh non, mais je hurle. Dis donc, la prochaine fois, viens à poil pendant que t'y es. Ça va, c'est une robe pull col roulé, tu veux que je fasse quoi? Ouais, non, remarque, c'est vrai, mais... Burkini ou pas? C'est pas burkini, je sais plus comment... Burka! Ah non, autant pour moi, burkini, c'est la version maillot de bain, c'est ça? Tu t'y connais! Le rouge à lèvres en plus, oh mon dieu! Bref, deuxième invitée, elle est là-bas! Nexté en deux secondes! Bref! Bah c'est pas ça, mais c'est qu'on s'en bat les couilles! Et ensuite, deuxième personne derrière le rideau, attention! Bonjour, non mais la Cassandre, sitôt éliminée, sitôt débarquée, non mais je hurle. Alors toi par contre, il va y avoir à mon avis beaucoup beaucoup de mise au point à faire. Hein. Je pense, oui. La garce de Secret Story. Les points sur les T, les barres sur les I. Non sur les T. Non mais c'est l'inverse. Hein. C'est votre première rencontre. Là, je te donne un livre. Essaye de lire pour voir. Oh, je meurs. Tu lis, toi? Moi, j'adore lire. C'est pas vrai. Un parallélisme rigoureux entre l'âme et le corps. L'âme exprimant certains et certains... Allez, au revoir. Là, je te donne un livre. Essaye de lire pour voir. Oh, je meurs. Tu lis, toi? Moi, j'adore lire. C'est pas vrai. Un parallélisme rigoureux entre l'âme et le corps. L'âme exprimant certains et certains... Allez, au revoir. Comment se passe cette première rencontre, Julie, toi qui n'es pas très sociable? Bon. Quand même, hein, j'ai 2000 amis sur Facebook. Je veux dire, ça se passe très bien. Je suis très étonnée de cette jeune femme. Vous auriez pu cohabiter ensemble et vous kiffer? Oh oui, je pense. Oh, je pense qu'on aurait bien rigolé, mieux qu'avec d'autres. Ah oui. Ouais, bah, ça commence, hein, dis donc. Elle est chaude, la Cassandre. Ah ouais, la Cassandre, à mon avis, elle va clasher Barbara. Pas que Barbara. Ah oh non, mais pardon, je meurs. Pardon. Oui, c'est mon maillot de bain. Pardon. Excuse-moi, je fais de la boxe thaïlandaise, donc désolé. Désolé. Oh non, mais c'est pas possible, Gazon Maudit est déjà en train de pécho. La Julie. Non, mais c'est quoi? Mais c'est, je comprends pas, moi. Non, mais ça va pas, non? Attention, parce que, hein, on la connaît, hein. Baisse ta culotte, c'est elle qui pilote. Baisse ta culotte et cache ta glotte. Je meurs. Vous remarquerez l'ego des candidats de télé-réalité, sitôt les snaps tournés, sitôt les snaps visionnés. Hein. Et allez, ça se kiffe, ça se regarde. Non, non mais je craque quand? Un nouveau couple est en train de se créer, non, là. Ça va pas à la tête ou quoi? Non. Laissez-moi, j'ai déjà du mal avec... Charles. Sentimentale, la pauvre, c'est pas non. Non mais, alors moi, les candidates qui mettent des lunettes pour se donner un côté intello, ça me fera toujours rire. Non mais wesh, on dirait le professeur Tournesol. Non, mais... Ça prouve que déjà j'ai un peu plus d'intellect que toi déjà. A priori le non. Le sol, il est connu, il est reconnu pour. Ouais. Oui, mais je n'ai pas besoin de lunettes pour briller en société, moi. Allez, au revoir. Bon, Julie, t'es contente de venir dans ma baignoire? Ravie. Ça se voit? Bah oui. Ça va cartonner. Tu vas t'exprimer, balancer tout ce que t'as sur le cœur. Bon, ça serait bien de parler parce que là les snaps sont tout pétés. Bah, je vais exprimer ce que j'ai dans le cœur. C'est Magadji, viens là, je te dis. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Magadji, elle m'en veut, c'est Magadji. Elle me regarde de travers tout à l'heure, t'es à quoi? Tu veux un Chanel, tu veux des seins, tu veux quoi? Dis-moi, moi 20% je vais quand Julie va. Oh non mais stop. Non mais fidèle à Secret Story, elle surjoue en permanence quoi. Mais non, c'est de la blagounette. Oh non mais le sexe de couples, la bobo parisienne, stop. Non mais pas du tout, j'avais que ça à la maison. Toutes les meufs de télé-réalité quand elles commencent à gagner... Enfin toutes les meufs, je fais pas de télé-réalité, mais quand... Elle commence à gagner beaucoup d'argent, c'est chez des sacs de luxe et tout. Ah, ça, ce sont des escortes. Un jour, j'ai dit, mais t'as conscience que tu peux pas vivre dans ton sac? Il te faut un toit. Mais t'as dit ça à qui? À Camilla. Mais non. Ah, à qui? Non. C'est une... Bah, balance! C'est une histoire entre moi et la personne concernée qui est dénuée de toute... Ah! Charlène!
Bon, allez, tu te dépêches, là, tu mets ton maillot de bain, s'il te plaît, parce que j'ai pas la nuit, hein, j'ai une soirée d'Halloween, merci. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai trouvé Wally. Non, mais attention, parce que là, l'autre fois, j'ai reçu un jet dans la tête, hein, c'est des toilettes thaïlandais. Attends. Bon, allez. Oh là là, mais elle est ingérable. Non, bon, ton maillot de bain, allez. C'est une plaisanterie, la mousse, là, ou un canular? Non, mais faut en mettre plus pendant que tu y as gazon. Attends, championne de la mousse. Non, mais c'est abusé, là, il y en a trop. Ça se passe comment, en fait, l'interview? Enfin, on nous voit plus, quoi. Mon Dieu, c'est tellement agréable un bain. Je suis toute nue sous mon pull. Ouh là là, la Julie. Ah, là, là. Alors Gazon, faut que tu lui attaches son maillot de bain apparemment. J'y vais. Oh, bah. Je me doute bien, oui, elle se fait pas prier. Oh. Non mais c'est pas possible, j'ai une caméraman perverse. Par contre, le stream, on en parle. C'est une. Hey, t'avais dit que le haut. Non, mais c'est une blague. Alors, c'était comment? Ça t'a plu? Ouais. Elle a un beau corps? Nickel. Ah, nickel. Nickel. C'est un gamin, ce mec. Nom de Dieu. Ah, attention, là là. Ah, mais je te touche. Mais qu'est-ce que t'es où? Je te vois plus. Oh non. Le rouge à lèvres est sorti au carreau. Alors Julie, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu vas... Ah, que tu vas inaugurer mon nouveau filtre baignoire de Jérém Star mis en place par Snapchat. Est-ce que tu es contente? Je suis ravie. Bon, au lieu de se regarder dans le miroir là, est-ce qu'on peut commencer cette interview? Oui. Mais c'est marrant parce que j'imaginais pas en vrai que tu ressemblais à une actrice porno. Non mais t'as une tête, mais qui sent le sexe. Je te jure. Tu sais, en ce moment, je sens pas grand-chose. Ah, tu sens pas grand-chose, bon. Coucou Charles. Jérém. Bon bah il semblerait qu'on ait un petit problème. Donc là non, elle n'est pas en train de faire ce que vous pensez. Hein. Elle est en train de régler des problèmes de bouchons au fond de la baignoire. Gros problème, cette baignoire est maudite, les vermines. C'est quoi ce que le bouchon ne se ferme plus. Donc, on est en train de perdre toute l'eau. Ouais, on perd toute l'eau là, il n'y a quasiment plus d'eau, c'est horrible. Donc voilà, super. Donc gazon maudit, faut appeler la réception et faire un scandale. Hein. C'est fait. Je suis désolée, hein. C'est la première fois que ça arrive en fait. Qu'est-ce qui se passe, gazon? Bah, j'essaie de boucher. Hein. De boucher quoi? Le trou de la baignoire. Bah, ouais, mais c'est quoi ce bouchon de merde là? C'est pas possible. Oh bon, par contre, elle est gentille. Ah, mais y'a plus d'eau! Non, non, mais enfin, merci quoi, le coupe-crotte là. Coconut coupe-crotte! Mais qu'est-ce que tu fais? Y'a ma bague qui est tombée! C'est un placement de produit en plus. Ah, bah c'est, on s'en fout alors. Oh non, mais la baignoire galère. Mais au secours. Ouais, moi je me tire. Quelle ambiance. Tu nous excuseras, Cassandre, hein, tu as encore une bonne heure et demie à poireauter. C'est la première fois que ça arrive. Un technicien est actuellement en train de réparer la baignoire, hein, donc vous inquiétez pas. Non, mais la Cassandre, là, au lieu de rester allongée, elle pourrait pas aider à réparer la baignoire? Ah, je suis trop bien, là. Je suis trop bien. Non, mais je sais pas, aide-nous, quoi. Bon, alors, Gazon, s'en est où, là? Parce que ça fume, hein, mais bon. Il revient? Ouais. Oh, putain, attends, je vais appeler la réception, je vais faire un scandale. Ah bah, ça y est, elle est enfin calme. Bah oui, je suis souvent calme, tu sais. Ah bon? Je fais des activités très calmes, je peins beaucoup. Quoi, tu peins? Oui, je peins, je dessine. Ah bon, mais quoi, tu peins quoi, des aquarelles? Oh non, mais ça va trop loin. Hein. Ce qui est sûr, hein, c'est que le pinceau de Charles, t'as pas fait beaucoup de peinture avec. Tu sais à qui tu me fais penser? Non. Evangélie. Bah super. Non mais tu lui ressembles énormément quand elle était brune. Avant de partir. Ah moi, avec elle aussi s'il te plaît. Pourquoi tu l'aimes pas? Mais enfin, tu me compares à l'incomparable. Bah non, elle est super gentille, elle chante elle super très bien. Gentille, mais on ne se ressemble pas, on est différentes. Ah bon? Une heure après. On y est encore. Bon, a priori le bouchon ne fuit plus, le technicien est intervenu. Gazon maudit, ça va? Oh putain, c'est un gamin ce mec. Je suis vraiment au bout de ma vie, les vermines. J'ai dormi 3 heures cette nuit avec ce putain de château hanté. Et ce soir j'ai une soirée d'Halloween et j'ai encore 2 baignoires à tourner. Enfin, je sens que je vais arriver à ma soirée à minuit. Vraiment ras-le-bol de ces systèmes de tuyauterie, de robinetterie, de baignoires qui ne fonctionnent jamais. Le seul truc qui me fait plaisir, c'est mon filtre. Il est trop beau. La baignoire Jérém Star. Je suis saucée. Oh bah ça y est. Oh non mais... mais c'est une blague. Ah bah dis donc la croupe. Ah mais moi je comprends vraiment pas pourquoi Charles ne passe pas à l'action, hein.
Oh non. Je suis super gênée. Bon bah voilà, ce bain est terminé, t'en es pas morte. Non, je suis pas morte. C'était bien. C'était sympa. T'as balancé pas mal de trucs. Oui. Hein? Eh bien, c'est à ton tour. Allez, en maillot de bain. Allez. Hop, hop, hop. Hop, hop, Gazon maudit, tu viens ce soir à ma soirée d'Halloween? Peut-être, ouais. Tu te déguises, hein? Ouais. En j'ai... zombie. Ah bon? Ouais, oh. Chirurgienne zombie. Oh, j'ai eu. Je pensais que t'allais te déguiser en parcelle de pelouse. Oh, je suis déçu. C'est un gamin, ce mec. Oh, mais quelle horreur. Regardez mes mains, les vermines. Après ma baignoire. Toi aussi, t'as la peau fripée? Ouais, toute fripée. Oh non, mais j'ai eu. Cette coupe de cheveux, on dirait un rat crevé. Oh, ça va, c'est ta faute, hein. Oh. Mais comment ça se fait que vous avez tout le temps les cheveux trempés, vous, les filles? Bah, on est dans un bain plein de mousse, donc je vois pas comment on peut faire pour que ce soit pas... Oui, enfin, l'eau, en l'occurrence, elle ne monte pas jusqu'en haut, donc... Bah, c'est toi qui m'as plongé la tête dans l'eau tout à l'heure, dis-le. Oh, bah non. Bah, voilà, bah, avoue-le, à tes gérimes starlettes. Mais n'importe ouais, quoi. T'as pas besoin de moi pour être sous l'eau. T'as vu, je t'ai mis un petit filtre, la baignoire Jérémy Star. Oh, il est trop beau. Il est mignon, hein. Magnifique. C'est une exclusivité. Wow, si tu veux l'utiliser, sache que tu ne pourras pas. Bon, on vient de finir notre tournage. Est-ce que tu es contente de toutes ces rectifications? Je suis ravie. J'ai mis, on a dit quoi tout à l'heure? Les points sur les i, les barres sur les t. Ouais, putain, j'ai ça. Mais voilà, les vermines, vous allez, je pense, découvrir une Cassandre un petit peu différente de celle dans Secret, hein, un peu moins garce et qui a de l'humour. On a quand même bien ricané. On a bien ri. Elle m'a sorti des punchlines, frère. Pouloulou. Mes bains sont terminés, je me détends, je fais mes étirements avant ma soirée d'Halloween parce que GG c'est fast life. Donc voilà, je suis très content, j'ai enfin fini ma journée et puis toutes ces candidates de télé-réalité peuvent désormais aller se rhabiller.